Ski, mais en pire. Et voilà quoi, ça fait des trous comme ça. Et il y en a, c'est des plus gros trous. Hein. En une session, vous avez des chaussures toutes neuves. En une session, elles sont trouées. Que l'effet est quand même mieux que les Janoski. Parce que avec les Janoski, vous avez un petit souci, c'est que ça fait des ampoules. Sur les Karyoma, ça fait pas des ampoules, ça troue les chaussettes, donc ça vous bousille des chaussettes. En une session, c'est fait. Hein. Vous avez des chaussettes neuves, bam, ça y est, des trous. Enfin voilà, en clair. Voilà, bon, on continue la vidéo et c'était juste une petite intro pour vous parler de ça. Il y en a plein qui m'ont demandé, alors c'est bien les Karyoma au skatepark et tout. Et voilà, je fais une petite vidéo comme ça, vous savez. Donc moi j'ai mis une note, il y a une vidéo test sur mon YouTube, hein, vous pouvez la voir. Et là c'est un peu un pré-test, c'est après quelques mois de skate, c'est un peu un avis final. Et comme avis final, franchement, oui c'est de la bonne chaussure, mais je pense qu'il y a mieux, je pense qu'il y a mieux quand même. On va dire que le produit n'est pas totalement abouti, la chaussure est super. L'idée est super, le design est bien pensé. C'est juste au niveau du talon qu'il y a un petit souci. Et s'il fallait revoir la chaussure, peut-être un petit peu plus de. Au niveau de la semelle, un petit peu plus de. Pas de confort, mais. Comment dire? C'est des semelles en liège. Donc, très bien qu'il y ait des semelles un petit peu plus étudiées pour les chocs. S'il y a ça. Enfin, le confort talon du coup et une semelle beaucoup plus évoluée pour les chocs. Ben là, ce serait la chaussure parfaite parce que le board feeling est juste incroyable quoi. Ça accroche carrément au grip. T'as l'impression que les pieds ils collent quoi. Enfin, voilà, quand tu lances tes flips, ça suit tes pieds. C'est magique. Testez, hein, vraiment. Bon ben voilà. Allez, on passe à la session. Donc voilà, on est au skatepark. Je vais vous montrer un peu comment il est et on attaque. Là, on va essayer de gâter ça. À la plaque, et après il y a le sol.
quand ça slide pas. Parce que moi je préfère quand ça slide. C'est dangereux, les deux, hein, sont dangereux. Ah, j'étais pas du tout au-dessus. Je ne suis pas du tout à bas. Ah là là. Bon voilà, c'était un petit peu laborieux, on va essayer un peu la table à wheeling et la courbe, et je pense qu'on aura tout vu. Hein. Ouais, allez. Bon, il est pas rentré, mais c'est comme ça quoi. C'est tu sais, le skate, ça décoiffe quand même. Voilà, donc on va continuer sur la petite courbe. On va terminer sur la petite courbe. Je vais faire le maximum de tricks sur la petite courbe qui est juste derrière là. Vous voyez. Oh mon Dieu! On va changer d'angle. Oh là là! Ah ouais, là c'est très bien là. En fait, j'arrive pas à vraiment à poser les pieds. Je fais mon top, mais mes pieds sortent à chaque fois. Là. Franchement, si je le mets, mettez plein de pouces bleus, partagez, parce que je donne de ma personne là. Non, il était là. Ah, mais je ne crois pas alors que je le mets. Le mec qui le met, je ne crois pas. Ah là, c'est bleu.
quand tu passes ta semaine. Allez, allez, faut que ça soit fini là. Donc voilà, c'était une vidéo funny. J'espère que ça vous aura plu. J'ai donné de ma personne. Et c'était cool, c'était cool. Bon, les blunt front, il va falloir que je les travaille parce qu'en rentrée 1, c'est bien. Mais voilà quoi. Normalement, c'est un trick où j'ai des facilités. C'est pas que je le rende facile, mais j'ai des facilités techniques pour ça, normalement. Normalement. Mais là, vous avez vu le nombre de traits que j'ai mis. C'est juste horrible. Bon, allez. Allez, on termine cette vidéo. Je fais quelques tricks en flat pour le fun. Et je vous souhaite bon skate, bonne fête. Voilà quoi. Enfin, bref, plein de bonheur, de bonnes résolutions pour l'année 2022. Et voilà. Ciao, ciao.